François, je prends un plaisir indiscuté. Attention, Luffy pour perdre le premier champion de sa vie. Grosse pression. Fais 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Et il n'a pas perdu! Ils ont encore gagné le choc. C'est pas possible. Moi je veux une vidéo. Y a pas, vous avez personne avec une vidéo? Salut, c'est bon Zouzou. Ça va? Ouais, ah, ça fait du bien. C'est... Ah, ah, non, ça fait trop du bien. Faut que t'arrêtes. Voilà. Merci. Le junket, j'ai perdu. Celui qui a une vidéo YouTube hein, d'un américain qui va très Luffy au junket de n'importe qui. Sachez que cette dernière vaut de l'or. Hein. Donc n'hésitez pas, allez-y. Ou alors truquez une photo. Il fait pierre et son adversaire fait feuille. On n'a pas vu, c'est pas la vidéo juste comme ça. Postez ça sur Twitter. Hashtag Sunfest 2016. Et à gagner, eh bien, il y a une nuit d'amour avec le tous. Ok, oui, Tupac va commencer du coup face à leur DVD. Là, en revanche, c'est le décisif, la finale décisive. Mais il n'y aura absolument pas de 17 ni rien du tout, de retour en arrière. Le premier à 3 gagne. Ça refait le match. Ça refait le... Quand j'ai fait le cross-up, j'ai fait... Mais vous ne savez pas que quand j'ai fait le cross-up, j'ai fait le combo de Laura. Ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Ils ont tout reset, ils ont fait les boutons, ils sont prêts, oui, tout pack leur DVD, oui, mesdames et messieurs, c'est parti, après reset de braquette, grande finale du Crossy Fighter 4 Team, qui va l'emporter? Leur DVD va la faire bouffer, ou oui, tout pack contre leur Mickey Xelo. Ah, oui, tout pack face à leur DVD, hein. En grande finale sur scène, sur ce Stunfest, des souvenirs de l'émotion. Tout me revient, toutes ces années, je suis Fighter 4, je défile devant mes yeux, et leur DVD, eh bien, va essayer de broyer un Wittubac qui retrouve quand même pas mal de ses marques en ce moment sur le jeu. Il ne s'approche pas nettement, il attend que, simplement le son avant de leur DVD. Si leur DVD reste au sol, il y a ses spots. Quand il fait les sauts verticaux, voilà, il va essayer d'avoir un tel pied sans vraiment l'attaquer. Le son est décalage, quand il a perdu sa charge et qu'il n'y a pas de rush au sol, il peut lui arriver dessus. Boum, tendeur de cœur. Et le tour du jeu est très bonne pour le moment de la part de Will Tupac. Il a bien les cassages de charge. Il va bien l'attaquer quand c'est possible. Là, la fois où il s'est cassé, il en essaie un deuxième. Leur DVD, il a quasiment plus mal. Il va devoir attaquer ou sauter. Mais trop loin. Ce tendeur de cœur donne le premier rang aux tous. Et se retrouve donc avec un 1-0 pour le Tupac. Tupac sera bon. Avec le score, il est cassé à part de leur équipe devant. À part de son avec des points, c'est pas. Il a pris le score en plus de risque. Par contre, il y a des points de pouvoir sur les gars. Ça va faire un gros point sur un gros point dans le cœur. Il a pris beaucoup des dégâts là. Il continue d'enchaîner les tendeurs de cœur sur tous les deux scores en garde. Dans des mecs qui est prêt, tous ses ordres. Non, passez là, mon piano, il pousse, je vais dire. Et c'est au tour de Luffy de retourner s'asseoir. 1-0. Luffy. Bonjour Luffy. Bonjour à tous. Vous imaginez que vous avez quand même le tous en grand écran. Hein. Regardez ça. Image géante du tous. Ah. Ça fait des jolies images. Hein. Moi, ça me donne envie de regarder le stream. Ouais. Il mène 1-0 en grande finale. La Team LT, menée par Conster, va aller affronter
Luffy à présent pour la team top lieu. Il y croit, sa hausse semble maintenant être opérationnelle. Il n'a plus à jouer dans Street Fighter 5. D'ailleurs, plus personne ici n'a joué dans Street Fighter 5. Puisque il y a 6 japonais, un joueur de Singapour et un chinois dans le top 8. Ce qui fait un beau ratio de victoires, je veux bien vous avouer. Et là, eh bien, c'est l'aurore de gloire sur le jeu de l'année dernière. Il faut briller, il faut gagner, il faut l'emporter, il faut y arriver. Est-ce que Luffy peut sortir Will Tupac? Luffy contre Will Tupac, grande finale d'Ultra Street Fighter 4 Tube. C'est possible, un strike tout juste peut arriver. C'est le moment, c'est sur l'heure. En team, tout est possible. Luffy a gagné d'ailleurs un tournoi team, celui de Street Fighter 5. C'est vendredi, vous étiez là, en compagnie de Bonne Chan. Et vraiment très très bien comme tournoi. La grande finale était excellente. Luffy a déjà de quoi activer finalement sur toute sa tête. Quatre facteurs, un Donner Knuckle. Ah non, comment je n'aurais pas de ce point, mais sérieux, le Donner Knuckle lui face à cette distance-là. C'est également parfait. Il a pris quand même 6 mots dans son focus backlash. Et là, il s'en prend. C'est parfaitement réalisé. Par lui, il va tout rester dans le live. Il est ultra. Dans ma gueule. Aïe, aïe, aïe. Oh, attention, là, le tout, c'est le retour. Ah, oui, ça bouge bien, hein. Sur Rose BC. Incroyable. Pas qui se fait avoir par plusieurs fois la même chose. Bah, t'as vu, derrière, il y a des choses qui sont assez similaires quand même avec Laura. Pas mal dans leur gueule, mais tous les gars qui ont eu la chance de mettre sur le avec Laura sur des bonnes charges. C'est assez émouvant de voir les similitudes entre les personnes. Il y a beaucoup de joueurs de Raycorp qui ont basculé vers Laura. L'électricité sûrement, de l'égoté aussi peut-être. Et le visage de Luffy va tout être arrêté par Ruby ou devant. Ok, il a tout pris en garde. Par contre, le jeu n'a pas compris s'il était devant ou derrière. Il a renversé un peu la vitrine, un peu la vapeur du tout. Il a pris un très bon entier. Il est très en avance à présent. Il ne touche pas qu'à son ultra. Et Luffy dans une position de point. Il s'est certes compliqué. Aïe, aïe, il va réussir à passer dessus. Il va réussir à passer dessus. Et tout par contre, en variant la vitesse des projectiles. Il ne touche pas qu'il a été un peu gêné. Toujours pas de 2-0 pour les tours. Mais l'ultra n'est pas passé dans le rang précédent. Souvent, un vainqueur, dans sa place ultra, c'est trop d'accord. Il a fait fin d'âge avant. Et finalement, se prendre un lot et se faire repousser. Il n'est pas dans le idéal actuellement au niveau de la config. Voilà, parce que là, ils sont bien précis, une part en moins. Dans le coin, certes, là, il a sa position. Il n'y a pas d'antillère là-dessus. On décale pas grand, on est pas mal. On va le faire. Il n'a pas sa super, il peut activer peut-être toute la délite, mais s'il le presse bien, il est pour prendre un peu de l'eau. Et en Dieu, c'est un tassu de doucement, il te regarde tous. Oh là 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 là. Un partout. Et bonsoir. Un partout. Et donc, Will Tupac qui cède sur cette relevée à l'attaque de Luffy. Et qui va laisser donc place au prochain joueur, Nick Xelo. Ouais, bonne idée, très bonne idée. Envoyer Elena, c'est la meilleure idée possible, je pense. Puisqu'ensuite, eh bien, face à la chute de Valastor, ça reste la chute de Valastor, vous n'avez peut-être pas vu encore jouer. Juste derrière, eh bien, Nick Xelo a montré qu'il pouvait s'en sortir. En plus, oui. Passer d'une chenille à une autre, peut-être pas si facile que ça. Gézelo, lui, il dose encore. Top ladder sur le live avec Elena. Il n'a jamais lâché. C'est son jeu. Il est ça, là, sur le Discord de 7-4. Cherche des joueurs. Si vous voulez jouer avec Gézelo, il demande 8 ans de bande. Et là, il est en finale. Le button check est bon et vient d'être effectué. Alors, Nick Xelo peut-il le faire face à Luffy? Ou est-ce que Luffy a définitivement pris la confiance
Pas facile évidemment de jouer comme ça dans cette configuration de grande scène, mais le healing est de toute façon Sama. On a deux Ultra 2 un peu bizarroïdes. Link et Xeno contre Luffy, un partout, égalité parfaite dans cette grande finale d'Ultra Street Fighter 4. Et Luffy qui doit maintenant encore une fois relever le challenge Elena. Focus Batash sur le dash avant la piquée. Et il va aller chercher. Et vous avez vu quand même cette double touche fermée. Un trample. Très avantage Luffy par contre. Très bonne mesure de Luffy Smart. Venir attaquer avec son Sidekick. C'est bon qui a fait mal à l'image un peu trop tôt. Luffy s'est pas relevé instantanément sur cette mise au sol. Et du coup, il a perdu peut-être l'avantage qu'il avait réussi à prendre. Oh là là, mais ça me fait dire de tellement. Par contre, le combo est raté. Et sur le speed kick, eh bien, il a pu y avoir une position de vie dans le portable. Il avait fait une vie ultra tôt. Oh, il s'est choqué dedans. Mais pourquoi ça avait beaucoup de dégâts pris hein. Par contre, là, il va y avoir possibilité de healing. Bien sûr, healing. Et de 1. C'est le premier, si ça fait du bagage pas mal, vous pouvez en voir un deuxième, bah, il a peur de faire du bagage sur les tout pas. Je pense qu'il a raison, hein. Je dis, il est à deux volets super, il a pas envie de laisser faire du bagage à l'infini, ce premier smash est à mon avis vraiment un mauvais réflexe de Flick Zero, il arrive tout en passant des épaules, il va se faire frapper. À la super. Oh là là, il est aussi. Luffy est en train de revenir, il est en train de rôter. Parti comme ça. Un petit comme ça va pas perdre. Ah oui, lui aussi, il peut faire des step legal kick joliment exécutés. C'est stun derrière ce coup, bien sûr. Au plus de l'étroit, à 17, à Domard. Il va l'attendre pour le setup sur l'eau, pour refaire mal l'espace sur l'oreille, pour remettre l'eau, pour remettre encore à l'eau, pour remettre tout sur des pouces de l'eau. Non, 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 c'est tellement difficile pour Luffy qui n'a plus rien. Il avait pas de MG d'utiliser de l'arme super en plus. Il ne sort pas les grands assauts qui a délivré un deuxième au stade. Il a profité du bloc-saut pour taper avec vraiment un point. Et là, ça healing. Tout ça live. C'est vrai qu'il en avait déjà pas assez d'avance. Il était un peu en récupérer plus. Là, ça va être vraiment de la conservation d'art. Parce que Laurent est quasiment perdu. Mais avec une sûr, on ne sait jamais. Il ne lâche pas. Est-ce qu'il le perd? Il le perd. Pas plus précis, avec le Joël. Bon. Un partout. Et là, il est important de se rendre. Il a pas tout qui va le jouer agressif. Oui, est-ce que... Oh là là, le super-tical gros pied qui casse le 7HK venise de tellement loin. Ouais, la nouvelle X-Match, il avait oublié le second point, mais finalement ça lui donne une choc gratuite à Luffy qui attend tout ça, réussir à faire des décalages bons et judicieux afin de placer un coup de poing à pied. Regardez ça, il peut mettre ça, il va pas être super sur cet ancien mondial, mais prendre un sale pif à la relevée qui lui permet quand même de backdash, il n'y a pas de problème. Le backdash reste de toujours présent, vous avez super. D'accord, pourquoi pas. Ok, on s'est dit, allez, on va faire quelques dégâts de grattage, on n'en a plus rien à faire. Tout la super est consommé dans la garde de Luffy Zero. Est-ce que c'est un gros coup de pression que vient de jouer Luffy là? Ou est-ce que c'est faire un bouton? Parce que là, il peut. Oh, là, il tout ça va. Elles sont en train de battre et sous le spirale pour aller reperdre la barre du lit qui va pouvoir regagner. Donc, juste après, hein, c'est merveilleux quand même avec le concept du perso. Il y a toute sa barre pour, voilà, pour pouvoir regagner toute sa barre après. Et encore, maintenant, il y a la garde. Il a réussi à revenir sur l'eau, mais il est tellement en avantage. Et en plus, là, il y a Rodney Fou qui passe. Et il attire dans ses griffes. Et là, dans le backlash, il prend le mal smash dans les airs. Il n'arrive pas à combo au sol. Il lui donne tout ça. Est-ce qu'il va probablement lui permettre de gratter à l'heure? Et oui, c'est fait. 2 à 1 pour la petite copine qui se rappelle à reset. Mais c'est complètement pété. Vous m'avez pas dit? Vous croyez que c'était Elena, le perso le plus fort de tous les temps? Il a quand même réussi à faire un round avec 2500 points de vie, hein, Link Zero. 2500 points de vie. Ça va suffire. Il faudrait donner plus de vie de base. Allez. Ok. Le dernier rempart. Seul, face à Luffy et Van Master. Ah, ils sont allés en grande finale sans perdre et ils ont tué en une heure braquette. C'est dur d'arriver en finale et de se faire reset. Par la rose de Luffy, qui a envie de se braquer tout le monde.
Ah oui, là, il a striké hein, dans ce set, et là il est en position striké aussi. Il a montré qu'il maîtrisait encore bien le match-up Yoon. Il va falloir donner son pouvoir, votre pouvoir à Cookster pour y arriver. Sinon les sticks vont voler, je le sens. C'est parti, il est là, mesdames et messieurs, Luffy contre Cookster, ça peut être le dernier match de cette en finale. Cookster doit y arriver absolument. Restez concentrés, il a des faits d'excellence de gestion à la pénalité comme ça. Allez, la traite, la lutte des pénalités et les échauds pour mettre au point. Bien parti, bien lancé. C'est l'entrée de Chine. Oh, ça revient à le concours. Et les pénalités de la lutte des LMP n'est pas rentré. Ça donne quand même une très très grande avance. Luffy va pouvoir activer l'Ultra 2 rapidement, mais on a dû faire ce que c'est trop envie. Le regard de la lutte va tout s'en refaire. Et bien maintenant, il est très en retard d'énergie avec l'Ultra 2 full charge, il ne sert absolument à rien. Il vient de subir les attaques des pénalités. Appuyez, voilà, le soutien de l'économie, notamment avec le Sugar Match. 1-0 pour Cookster. Elle peut revenir à deux partout. On se termine ça sur le dernier rang du dernier set, du dernier clip. Histoire que ce soit le plus long possible. Ah, merci les gros combos avec le Nisho qui touche sur le deuxième hit pour gagner le jeu. Anticipe la chope spéciale. Face à l'économie, la meilleure du dernier rang. Je suis en reste. Là, c'est parfaitement indiqué. Et le retour dans le spécial du soutien hit. Merci de vous dire, à la vie. Ça va pouvoir pousser. Tiens, parfait. Tiens, vous tour. Ah, mais pourquoi il prend ça? Pas la peine de faire lâcher la garde ici. Il a trop peur quand Luffy vient attaquer. Les gens lui disent pas nous, ça va récupérer. Puisqu'il est. Oh, la bouffée nature. Il a tellement bouffée nature. Alors, au sol, la chose est possible. Qu'est-ce qu'il va mettre, Cookster? Pour là, c'est chaud direct. Et le plus de bouffée. Cookster a réussi un jeu à gagner un jour qu'il y a contre Luffy. Le plus important de sa vie. Maintenant, c'est le tour de Valentin Petit. Qui ne peut même plus parler de son sponsor. Mais qui en type avec leur DVD. Et il est sur le dernier match, Valentin Cookster. À cause, faut que ça gagne. Là, c'est important, c'est une histoire bonne. C'est l'honneur qui joue aussi. Ça veut parler après des années de persécution. Cookster et Wutupak veulent leur revanche. Ça y est, vous avez déserté le jeu. C'est fini. C'est fini. Vous oubliez à l'Ultra. Vous oubliez à l'Ultra. C'est ça la volonté. Cookster est prêt. Grandmaster aussi. Ça va être le dernier match de cette grande finale de l'Ultra Dévasteur 4 dont vous avez fait. C'est lancé, mesdames et messieurs, dernier match Ultra Dévasteur 4 team Cookster contre Grandmaster. C'est pas ses costumes. Il existe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mon Dieu. Au secours. Allez, on a un sac à dos, c'est trop stylé. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui doit se crier comme ça au Snugfest. Identifié. Identifié. Waouh, mais c'est la violence. Ça va pas faire retrouver son rythme de gagner tout et tout à coup. Ça y est, il y a plus ça sur la flamme, c'est le quart de cercle et tout à coup. Le problème, on va appliquer et mon stop, il met bien dans le droit pour la distance de garder avec cette chine. Elle est absolument inavouable. Et on s'est attaché quand même entre BNP et BNP. Et d'ailleurs, le BNP prend sur la première troupe et sur un des choux qui est arrivé à contre-temps. Et la troupe qui s'est pris dans son focus d'âge avant sur le Zanchou. Il va récupérer sa vie, Cookster, et revenir à l'attaque avec Didaclique. Certes, le Valmaster a maintenant son ultra, mais il est très en retard à la vie. Ouf, ça fait quand même des Alpharpies. Donc, il a chalant de traquer et il débarque sur le focal. 2 BNP, 1 BNK. Est-ce que ces années de persécution vont prendre fin? Un petit point Valka, et avec sa correction d'amour avec un autre shop très très bien joué. Dernier entrée, ça avec le dernier rang du dernier set. Ouh, là, j'ai tout qu'à casser la jeune quand même. Et ça, sur cette revue, la vérité qui est très chère. Mais là, on a le bouton. Pardon, on attend toujours, est-ce que c'est trop beau? Est-ce que c'est fait? Oh, les balayettes! Pas de risque! Pour autre, ça va être trop ça pour le mettre en cause sur le. Là, dans la merde! Ah, ça va subir. Cookster pour le gain. Ici, sur cette. Vous avez qu'à l'éteindre
petite erreur de Vincent, par contre il va mettre Exos Unicorn pour repousser un peu les ardeurs de Compteur qui enfin réussit à s'échouer entière. Donc sur Xavier Lundi quand il m'attache, il les a quand même dans les mains. Et même si l'Armaster a réussi à se faufiler sous en dehors du coin, il est vraiment pressé, il a pu faire de l'ex, ce qu'il a pu faire. Le Compteur qui mène le jeu pour le moment, c'est Compteur qui domine et sans erreur de la part du joueur d'Aquitaine. Petit point à la Compteur du tir de sa talon. En tout cas, GG, un beau spectacle pour cette grande finale.
comme toujours, de toute façon, aussi au Stunfest. Il n'y a qu'à profiter. Profiter de tout ça. Profiter de ces matchs. Et profiter de ce qui va venir. Oui, DVD, oui, DVD. Que se passe-t-il? Hein? Et le demain. Mon petit Zouzou. Que se passe-t-il? D'accord. Ah ben parfait. Impeccable, impeccable. On me signale dans l'oreillette Zouzou, eh bien, que le Stunfest a à vous parler et que l'association Poète Combo, menée par celui, eh bien, qui est derrière aussi la plupart des Stunfest année après année après année après année, est bien présent. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour SRG et tout, un présent public, tout le monde. And like, good sense. Oh my brother, testify. Yeah.